Les ingrédients: 3 g de levure chimique, 10 g de sel, 25 g de miel, 500 g de farine, 360 ml d'eau. J'ajoute 500 g de farine dans le bol. 3 g de levure chimique. 10 g de sel. 25 g de miel. 360 ml d'eau. Je mélange. J'ai mélangé la pâte. Maintenant, je couvre le bol avec une pochette plastique. Je couvre, je ferme. Et par-dessus, un drap. Et maintenant, on attend 30 minutes. Maintenant, j'ouvre la pâte. Je mélange comme ça. Et je recouvre la pâte avec le pochette plastique et le drap et j'attends encore 30 minutes. Maintenant, on ouvre la pâte, on mélange une dernière fois comme ça. Je mélange. Maintenant, je recouvre. On a attendu pendant 12 heures. Maintenant, j'ouvre la pâte. Je vais prendre la pâte sur la table. Je mets de la farine sur la table.
Voilà. Maintenant, je découpe la pâte en trois. Et je couvre la pâte. Je vais mettre un peu de farine sur la pâte. Voilà. Et je couvre la pâte. Et on attend encore 15-20 minutes. Maintenant, j'ouvre la pâte. Et je donne la forme d'une baguette. Alors, je mets un peu de farine sur la table. Voilà. Je prends la pâte et je donne une forme de baguette. Je fais la même chose pour toutes les pâtes. Je donne la forme de baguette. Je tire un peu. Voilà. Maintenant, je vais mettre de la farine sur le drap. Voilà. Et je vais prendre les pâtes et le mettre sur le drap. Maintenant, on attend encore 30 ou 40 minutes. En attendant, j'ouvre le four et je le règle. À 230 degrés. Voilà. Et je mets un bol d'eau dans le four. Et j'attends que le four se réchauffe. Maintenant, je prends les pains sur le plateau. Mais d'abord, moi, je vais mettre un tout petit peu de farine sur le plateau. Et je vais mettre le pain sur le plateau. Et je vais découper le pain. Mais attention, ça, c'est pas pour les enfants. C'est à maman ou papa de découper le pain comme ça. Voilà. Et maintenant, je mets le pain dans le four. Vous voyez, il y a de l'eau dans le bol. Je ferme et on attend pendant 15 minutes. Et voilà, notre baguette est prête. Bon appétit les enfants. Au revoir.